you said that I'm filthy. Why now niggas get too facing at me? Ain't now they ain't got the heart to get at me. How the damn south side the hood did I come from? Yo, I don't cruise to nobody here without my gun. Know the kid ain't going for all that bullshit. Try to speak to me, I'm a little for full good. It ain't my fault, you the fuck with your rear. After Thanksgiving, who told you what it's here? Everybody mad when they think they don't stack right. You wanna come around, y'all niggas hey, right no. Now, right? You up the top, now. You can hear the system, so. Nigga, when we rowling, rowling, y'all a lot. Now, quick to put a hole in the jaw. Nigga, when we rowling, rowling, y'all a lot. Enjoy the retreat sur ses terres, sur l'adversaire puisqu'il boxe. Dans les couleurs du SBO Saint-Etienne Box Olympique, on applaudit bien fort, Smaïl et Marcouki. Allez, 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 allez
arrière, en ligne. Voilà, tu danses. Tout de suite, tout de suite. Voilà, tout de suite, mec. Allez, reviens, reviens, tout de suite. Tout de suite. Alors, c'est prépare pour notre prochain combat, dernier combat de la soirée, combat professionnel. Constantine Jankaradze, dans le bois rouge, et Jordan Gonzalez, du Boxing Club du Soleil, dans le coin bleu. Le quotidien qui touche le progrès. Deuxième reprise.
Et nous remercions Jean-Pierre Tête, le député et le commandant Camberley de Brigade de Feu. On va mettre les récompenses à la fin du combat. Merci. Récupère Smaël correctement. Qu'est-ce qu'il y avait, Bibi?
Mesdames, Messieurs, avant la décision, on va les applaudir à tous les deux. Pour l'engagement qu'ils ont donné. On va faire une autre vidéo, on s'en propre. Avec un vainqueur à l'unanimité des trois juges. Coin rouge, Enzo Bourra. Bravo à Smaïl. Smaïl, je veux toucher au départ. Il a été compté, mais il est revenu. Il est revenu. Bravo à tous les deux. La Jean-Pierre Tête. Là. Député de la 56e de la Loire. Ancien maire de Feur, ancien président de la commune de Forêt. J'ai envie de conseiller le directeur général des services de la communauté de commune, Guillaume Mélisson, qui est tout dans la salle. Voilà, et puis. Ça donne le commandant Cantarier de la brigade de Feur, c'est ça? Merci à vous, voilà. Voilà, donc on vous laisse prendre une photo. Et puis une petite annonce à faire d'ailleurs, puisque on a ce ring le président de Saint-Étienne Sport et du SPO Saint-Étienne Boxe Olympique. Voilà, on va avoir une fusion des clubs à Saint-Étienne. On a beaucoup de clubs de boxe à Saint-Étienne, mais il y a deux clubs qui vont fusionner. Le Saint-Étienne Sport, club mythique de Saint-Étienne avec Guy Tavernier, va être absorbé par le SPO Saint-Étienne Boxe Olympique, voilà, avec son président Samir Bellac, afin de créer une structure encore plus importante, encore plus imposante, pour rayonner sur les ligues de France. Le SPO va créer, je dis que une structure sport étude avec le PSG du président de l'hôtel, une première, je crois, etc. Merci. Voilà, merci, je vous l'écoutez, vous voulez dire un petit mot peut-être. On sait vos journées chargées à l'Assemblée nationale avec le débat sur les retraites, vous dormez pas beaucoup. Voilà, mais on peut dire un petit mot peut-être. Je voulais dire simplement que je félicite évidemment avec tout mon cœur Chanu, de Mère Moron, Serge Personne et le casino qui organise une soirée aussi exceptionnelle. Cédric. Et voir un spectacle pour moi, ça va me servir parce que comme on se donne quelques coups à l'Assemblée nationale, on ne sait jamais comment sortir. Bonne soirée à tous. Merci aux députés Jean-Pierre Tête. Et puis, merci beaucoup au commandant Candéalé, la brigade de l'UVA qui est présente, la gendarmerie nationale. La gendarmerie qui est très présente ici ce soir et tant mieux. C'est important qu'on puisse collaborer comme ça, travailler avec les forces de sécurité qui. On rappelle quand même là pour nous et pour nous protéger. Et je demanderai aussi une tonne d'applaudissements pour notre charmante compagnie US La Claudel, s'il vous plaît. Pour leur dernier passage, ça aurait été plus que magnifique. Thank you.
Cette fois-ci, le grand moment de la soirée, le passage des combats pro, n'est-ce pas, mon cher Cédric? Eh oui, mon cher Lionel, dernier combat de la soirée, le point d'orgue de ce beau gars de boxe organisé ici à Moron-les-Bains, dans ce superbe établissement du casino. Alors, est-ce que les boxeurs sont prêts? Ben, est-ce que tu m'entends? Les deux boxeurs sont prêts, superbe. Huitième et dernier combat professionnel international dans la catégorie de poids de moins de 69 kilos. De la ville de Koutessaï, en Géorgie. J'appelle Constantin Djangarbadze. Yeah.